Je participe à la Coupe du Monde. TheGrefg, vous connaissez certainement, l'un des plus grands streamers mondiaux d'origine espagnole, organise sa propre Coupe du Monde. Pour ceux qui ont un doute sur qui est cette personne, il a le record de viewers de 2 millions de viewers sur Twitch avec son skin Fortnite. Samedi 26 novembre, il organise sa propre Coupe du Monde sur 2 jours, avec phase de qualification le samedi, demi-finale et finale le dimanche, et j'ai été contacté pour être capitaine de l'équipe de France. Et dans cette Coupe du Monde, on affrontera 5 autres équipes, le Mexique, la Colombie, le Portugal, l'Espagne et l'Argentine. Et pour ceux qui ont encore un doute, on parle bien d'un vrai foot, une vraie Coupe du Monde, du 11 contre 11, et pour ça il faut un stade. On sera dans le stade mythique de Séville, dans le sud de l'Espagne. Ça a été un peu difficile parce qu'en 5 jours, il m'a dit faut que tu trouves 20 streamers youtubeurs qui sont capables de t'accompagner, que tu chopes toutes leurs informations, nom, prénom, taille de bonnet, enfin bref, un truc un peu compliqué. Et après des heures à travailler sur le projet, que ce soit en cours, chez moi ou pendant mon sommeil, j'ai réussi à réunir 20 streamers youtubeurs. Pour en citer quelques-uns, Brox, Bichou, Vinsky, Xilia et Chinou, Boom et Sama, Melchior et beaucoup d'autres. L'équipe est archi motivée, on s'entraîne tous comme des tarés. Notre objectif, bien évidemment, ramener la coupe à la maison, et j'espère que vous serez derrière nous. Alors je sais, il n'y a pas les gros noms du Twitch Game français. J'ai fait comme j'ai pu en 5 jours pour ramener des potes, des amis, des potes de potes, quelques personnalités, et surtout des gens qui sont fans de foot. Je vous fais confiance pour laisser un maximum de commentaires positifs, parce que les négatifs, voilà. Et je vous donne rendez-vous samedi 26 novembre, dans la soirée, je communiquerai l'heure après, pour le premier match de la compétition, en espérant qu'on le gagne. Attends, j'ai trop hâte sa mère! Ouais! Allô? Mec, le PVP, c'est du PVP 1.7? Comment ça? Je te jure que c'est du PVP 1.7. Genre, essaye de mettre des étapes et des strafes comme en 1.7, tu vas voir comment se trouve facile le combo. Genre, ouais, sur ce serveur. Je pense qu'ils ont dev de base en 1.7 et. Bah, je sais pas comment ils ont fait leur coup, mais les animations, c'est des animations 1.7. Bon, bah, en tout cas, on est parti pour du Bed Wars. Bed Wars qui est un mélange de rush et de PVP, j'ai l'impression. Attends, c'est où? C'est là, non? Ok, c'est bon, j'ai tout. Vas-y, bah, allez, viens. Je te laisse protéger, moi je vais faire du sneak des sneaks les gars. J'ai vu, il y avait un délire de piège je crois, mais je sais pas comment ça marche. Hop. C'est que ça, c'est comme le Bed Wars de base, hein, y a des pièges. Hein. Faut obstruer le lit ou pas? Je sais pas comment oui, ça oui, marche. Oui, tu peux obstruer le lit, oui. Pour le casser, ils peuvent pas le casser à la main, ils sont obligés d'avoir une TNT. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, j'ai pas du tout suivi comment ça marchait, frérot. C'est pour ça que c'est un mélange de Bed Wars et de Rush pour moi, parce que. Ouais, c'est pas genre. C'est pas le Bed Wars e-pixel quoi. Ouais, c'est ça. Y a des rouges, y a des rouges. Ouais, j'arrive. C'est bon. Il prend pas de KB. Ok, c'est bon. Iron. J'ai du gold. En vrai, le gold ça sert à quelque chose, non? Oui, ramène. Ouais, vas-y, bah j'arrive. Hein. Et de pas prendre trop cher avant que je sois là. T'inquiète. Ouais, c'est bon. Oh, il est stuff lui. C'est bon. Ouais, je te jure, le PVP, j'ai vraiment l'impression d'être un 7. C'est trop bizarre. Je suis mort. Hein. Ouais, j'en ai tué un, mais il y a le deuxième. Let's go! Ah, les boules de feu, c'est 45 de bronze, en vrai, c'est jouable! Ah, c'est pas cher par contre. Bah, en gros, le mage, il permet d'avoir les améliorations et tout. Ouais, c'est bon. Tu loot pas le stuff. Ça, c'est pas ouf par contre. Oh non. Ah, mais c'est parce que tu le gardes! Oui, tu gardes le stuff quand tu meurs! Oui, c'est pour ça que c'est assez insane en vrai. C'est mal pour toi d'avoir un Bed Wars en étant stack? Non, c'est pas que c'est mal, c'est juste que. Tu sais, genre, on va dire que c'est pas punitif de mourir. Je vois ce que tu veux. Et du coup, c'est un peu relou. Enfin, après, c'est un choix comme un autre, mais. Je sais pas si on garde l'épée ou pas. Oh non, il panique. Ok, c'est bon, je l'ai tué. Bon, vas-y, je vais le centre. Oh, je récupère son loot, c'est trop bien! Oh, les boules de feu, ils augmentent de prix au fur et à mesure. Frère, t'es en train de découvrir des trucs, moi je suis juste en train de faire des petits ponts en pierre. Hein. Mais mec. Je pense qu'elles augmentent à chaque achat. Pour l'équipe. C'est pas toi le mec au milieu là, Fares. Oh, y'a pas de KB! Ah, mais attends, mais c'est toi que j'aide là. Oui. Si tu te retournes. Genre comme ça là. Y'a pas de boost avec les boules de feu? Ah, ça perd de la mobilité. Mais c'est quoi comme team? Les jaunes ils sont. Je sais pas si je suis content. Comment ça tu perds de la mobilité? Genre ça marche comment les boules de feu? Explique-moi de speed. Non, mais de base, tu peux te KB avec les boules de feu pour faire des grands jumps et tout, tu vois. Et là, non, c'est juste ça explose en fait.
Ok. Et ça casse des blocs. Mais je pense que ça te fait pas de dégâts à toi, ça doit faire des dégâts aux autres. Enfin, tu vas pas comme... aussi vite que sur certains, tu vois. Ouais, c'est pas comme sur Epixel où tu peux te boost sur 90 blocs en balançant une boule de feu derrière. Exactement. Ah, le spawner de diamants s'active que dans 5 minutes ? J'ai l'impression que du coup c'est beaucoup plus. Je vais essayer avec les TNT. Ouais, j'ai l'impression que le mode de jeu est pensé pour que les parties durent 10 minutes, genre. Tu sais, c'est plus en mode faut prendre le temps de ce stuff, etc. Contrairement à d'autres serveurs, quoi. Ouais. Oh, ils sont enchantes, what the fuck ? Je l'ai tué, mais ils sont enchantes, frère. Ouais, comment ils sont enchantes ? C'est à cause des mages. Attends, regarde, je le mets. Amélioration tranchant. Ah ouais, putain, c'est lourd. Voilà. Ouais, et là, le prix a augmenté, ok, à 12 iron. Prix augmenté pendant 1 minute 25. Ah, ok, non, ça va en vrai. Alors, j'ai sauté dans le vide. En vrai, ça va. Les prix, ils ont dit, ils sont augmentés pendant 1 minute. C'est-à-dire que tu dois attendre 1 minute avant de. Ok. Attends, je regarde si on peut se boost quand même. Et tu vois, par exemple, je savais pas, mais tu perds pas l'armure, mais tu perds l'épée. Bon, les TNT, on peut se boost, mais c'est pas le boost du siècle non plus. Pour le moment, je suis un peu sceptique, tu vois. Quand tu meurs, tu perds un niveau de pioche. On va tester sur tout ce qui est canon et tout, parce qu'en vrai, ça m'intéresse. Je vais même aller dans la base d'à côté. Essaye de protéger notre base en attendant. Ah, attends, si je fais ça. Et peut-être 4 maintenant. Ouais, non, hein, y a pas de canon en TNT. Non, y a pas de canon. Putain. En vrai de vrai, faudra peut-être faire des feedbacks, vous voyez. Non, mais après, je pense qu'il y a des trucs à améliorer, tout ce qui est normal, de toute façon. Ah, après, ils ont dit qu'ils allaient écouter les avis de la communauté et tout, donc j'ai bon espoir que ça soit tranquille après, quoi. Je peux nous faire une épée en diamant chacun, si tu veux. Voilà. Mais les canons à TNT, c'est une époque révolue. Non, mais en fait, là, pour le moment, il manque juste beaucoup de mobilité. Tu peux pas te boost avec les boules de feu, tu peux difficilement te boost avec une TNT, tu peux pas faire de canon. Et du coup, c'est juste du PVP épée, tu vois. T'as plus de moves skillés, etc. Tu vois ce que par contre, ils sont très, 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 très stack. Hein. Est-ce que les fireballs, elles ont une range? Ou c'est comme sur Epixel? Attends. Et de pas mourir. Oh ah, c'est raté, c'est ça? Non, j'ai pas encore loupé. Merci. Ah. Pour le moment, je joue avec leur corps, hein, mais. Fallait juste que je récupère un peu d'or et je vais les pêcher par chez eux. Ils jettent pas trop sur moi, genre. What? Ah, mais t'es là. Mais qu'est-ce oh non, j'ai glissé, chef. T'as fait ça juste devant moi. J'ai glissé, chef. Après tout ce que j'ai fait, même moi je suis dégoûté. Ah ouais, ça fait une heure que tu joues avec leur couille et là tu fais ça. Oui, j'assume. Ouais, je pense qu'il manque un poil de dynamisme sur le Bedwars. Si tu veux, je peux avancer dans leur base là. J'ai entendu un élément de rage. Il a balancé une boule de feu, frère. Je me suis fait baiser. Oh, ça y est. Oh, mais attends, ils sortent pas de leur base, Fares. C'est indécent ce que je lui fais. Mais ils sont relous, ils sortent pas de leur base, frère. Ça y est, amusez-vous. Oh non. Non, je suis dommage. C'est pas méchant, mais ça fait 40 minutes qu'ils posent de l'endstone dans leur base, quoi. L'équipe verte, c'est notre lit qui est détruit. C'est notre lit qui est détruit, Fares, là. Pourquoi on va perdre contre des noobs? Non, c'est pas possible. Alors, Fares, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'ils vont avoir des épées en diable. T'as de l'or? 6. On va miner très rapidement, mec. J'ai deux TNT aussi. Et j'ai des fireballs. Il y a un mec devant nous. Tu vois, il arrive. Ouais, je vois, motivé. Mais je crois que Addiction, c'est un petit filou. Lui, il aime bien les fireballs. Avance, hein, c'est normal. Il a raté sa fireball. Tu lâches avec toi. Non! Tu peux finir? Non, tu peux pas. Ils ont mis. Non. Si. Oh, j'ai le seum. Ah. Ah, bah lui. Il a sauté dans le vide, l'autre. Non. Tu peux péter le lit si t'as une TNT. Oh, bien joué, bro. Bon, je crois que j'ai loupé. Oui, t'as effectivement loupé, mais y'en a un qui a ressauté dans le vide. Oh non, c'est une blague. Non, j'ai plus TNT. Non, faut mettre la TNT sur le lit. Attendez, je peux gagner en AV2. Je peux gagner en AV2. Parce que moi, j'aurais pu péter le lit plein de fois si j'avais s'il y avait pas eu besoin de TNT. Mais non, voilà, il faut une TNT. Ah, là, c'est bon. Voilà. Bien sûr qu'il faut une TNT. Il est tout seul dans la base, là. Tu peux le. Oh là, faut chat de fou, là. Gars, il va mourir. Il va jouer sur le bridge, là. Oh, t'es trop fort, what ouais, the c'est fuck, bon. Mec. Venez! Je vais dire où il est. Jonathan. Non, dis pas. Je sais où il est, je sais, j'ai besoin de personne. Mais tu sais que s'il a une fireball, t'es mort aussi, Fares. Non. Ok. On va perdre comme ça, regarde. Il est perdu. C'est bon, mais là, t'es en train de stresser, hein. Ça m'a saoulé. Là, il est en stress, là. Oh non. Il fait quoi, là? Allez! J'ai cru que t'allais Merci perdre. Merci! Et ça dure 21 minutes!
J'avoue que c'était long. Le mode de jeu, c'est une game sub, frère. C'est... Allez. On lance quand même. Écoute, pas... objectif gagné en moins de 15 minutes. Mais ça, en fait, ça fait penser un peu au... Pas les rushs Funcraft, les rushs, c'est genre Rushland et tout, là, où ça non, même des... Funcraft, même Funcraft, hein, ça se prenait autant, aussi vite. Moi, ça me fait vraiment penser au rush, c'est quand Hypierre, il faisait des bases en endstone avec un arc, quoi. Ok, saut sur moi. Je voulais énerver, hein. Ok. J'ai mort. Ah, je suis mort aussi. Tu l'as eu? J'ai une pioche en fer en vrai. Vas-y, mais moi je suis en train de les tenir. Enfin, je suis à l'or quoi, ils avancent pas, ils sont bloqués. Ah oui. Ah non, mais j'ai dit qu'ils avaient beaucoup d'Enson. Juste pas dans le vide et c'est bon. Moi je suis mort. Ok. T'as ma TNT normalement si tu creuses un peu et ma pioche en plus. Non, je vais pas pouvoir. Ouais. Oh, y'a les rouges. Y'a les rouges qui sont mis en plein milieu. Oh non, il est nul. Oh non, regardez, ça se voit, il est nul, ouais. Oh non, bichette. Aucune compassion pour lui. Oh non, 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 c'est terrible. Oh, ça se voyait, il était nouveau sur le jeu. D'ailleurs, Fares, je t'ai déjà parlé de VV France. J'ai déjà entendu parler de mes cartes Pokémon digitales. Oh non, c'est terrible. T'as pas une pioche en fer? Parce que je crois qu'on peut pas casser l'endstone, je crois. Non, avec, là, avec une pioche en fer, on peut pas casser l'endstone. Ils vont chez nous, les rouges, ils vont chez nous. Ok, j'y vais. Okay. Ouais, en vrai, l'endstone c'est fort pour bloquer parce qu'on peut pas casser. Je suis sûr de moi, j'ai essayé. Ça va, en fait, faut juste qu'on fasse un tout. Dès qu'on a le tranchant, on peut enchaîner. Oh non, y'a le rouge qui est revenu. Oh non, regarde le combo, c'est fini. Vas-y, bah c'est fini. Non, je n'ai pas combo du tout. Hein. Oh, ils se font baiser par les autres. C'est moi de tirer notre épingle du jeu. Bon, faut qu'on aille où? Je te suis. Mais t'es mort là, en fait, frérot. Il s'est passé un truc terrible, vraiment genre waouh. Ouais, je veux bien te mec, il y a eu 4 personnes, vraiment 4 personnes qui sont venues sur moi, PVP et tout. Mec, je les ai tous laissés à un demi-cœur. Je suis chez les bleus, là, ils ramènent une TNT vite. Ça coûte quoi une TNT? 4, et j'ai que 2. J'ai accès à leur lien, j'ai juste pas de TNT. Hein. J'ai pas assez, c'est bon, j'ai une TNT, j'arrive, j'ai pas de bloc. Je passe par où vite? J'arrive. Vite. Y'a toujours l'accès à leur lien. On peut les bloquer chez eux. C'est bon, ça va faire boum. Mort. Tu mort. On peut les bloquer chez eux. Oh. Y'a les verts qui arrivent. Ah, ils sont bien stuff comparé à nous, Fares. Mais non, on va les fumer. Fares, tu m'aides pas là. C'est bon. Par contre, j'ai pas compris comment acheter efficacement. Moi aussi. Oh putain, mec, je suis en train de. Ok, Fares, on gagnera pas en 15 minutes. Quoi? Je suis en train de voir les rouges, ils ont pas bridge sur l'or, mais ils ont une base. C'est full endstone et bois, frère. Je pète un câble. Les gens sont malades. Sur le bridge pour aller chez eux ou directement chez eux? Oh. Oui. Oh non 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 non. En fait le truc c'est que les gens jouent pas du tout agressif, les gens jouent vraiment très tempo en plus donc Ah oui les rouges. Ah oui. Oui tu vois les rouges. Ah oui. Ah les rouges ils jouent pas au même jeu que nous. Eux ils sont en Fallen Kingdom. Attends, y'a un verre chez nous, Fares. Ah bon, on est foutu. Ah ouais, à ce point là? Bah je pense oui, hein. Je vois un truc. Ouais, il a mis une TNT là, je crois, non? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est... Attends, pourquoi ça a écrit l'idée détruit? Mec, je suis back, tout seul. Back, je suis là. Alors là, pourquoi mec. Pourquoi ça a écrit l'idée détruit, Fares? J'ai du mal à croire que. Non, il s'est passé un truc terrible. On avait un puits d'or à côté en fait, on s'en est pas rendu compte. Wow! Bah ouais, frère, du coup. On est max quoi. En vrai, de toute façon, gagner avec un lit, c'est trop. Vas-y, c'est trop facile, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en train de le casser. Ah ouais non ok. Ah non non non, là t'es passé. Vas-y. T'approche, vas-y. Et oui, comment on peut vous boucher les gars? C'est fini. Ils sont bloqués hein. Vas-y. Hein. Ouais, je le cherche hein, je sais pas où il est. Plus vite par contre. Il est là. Il est au centre. Ah ouais, je l'ai fait tourner hein. Il est mort? Non, je suis mort. Non. Pas possible. Je suis relancé ou... Vas-y, t'as... on a 15 minutes 50 donc on a perdu, voilà. Félicitations à ceux qui pensaient que c'était pas possible. Ah, ils ont gagné. Sifano aussi, la rage quitte. Ah, petite crédit, mesdames et messieurs, est-ce qu'on va gagner ce Bed Wars? Ça va, c'est cool en vrai. Non? Ouais. Ouais, tu as gagné des lots quoi. Allez, tu sais quoi, je vais être un mec malin cette fois. Voilà. Ah, je vois le malin en question, tu vois. Tu vois ce que c'est d'être malin? Je vois. Bah au moins y'a pas un mec qui pourra venir et en 2 secondes casser notre lit quoi. C'est déjà ça. Il est vrai. En fait,
vais pas protéger son lit. Tu vas pas protéger, finis-le. Der. Oh, il nous a baisé le bleu. Voilà. Ouais, t'es juste relou sur les bâtons. Attends, mais y'a un mec chez nous, Fares. Il s'est fait exploser avec sa propre TNT. Y'a un rouge, il m'a mis la pression, il m'a regardé de haut, il a fait une tower, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, mec, il est pété un peu la base. Tiens, regarde, vu que je suis un mec riche, tiens, regarde, prod 2 là. J'ai une TNT, suivant, on peut aller essayer de casser une base. Mais en gros, de ce que j'ai compris, Greff a essayé de contacter des énormes streamers français. Sauf que ben, ces énormes streamers français étaient trop compliqués à contacter. Puis je pense que c'est bon, ils ont plus de lit. Le fait qu'il y ait l'event d'Amine en plus, ça, tu sais, ça fait qu'il y a beaucoup de streamers qui avaient plus la tête à ce match-là que... Oui, c'est ça. Oui, aussi. Je suis aussi. Eh, attends, Fares, on est à 7 minutes de jeu, là. Oui. Il reste qu'une team. Et je suis chez les verts. Je suis pas loin de toi, j'ai une TNT, je passe dans là aussi. Ouais, vas-y, bouche-les. Non. Comme ça, là, pour ça. Il est où, le last? Bah, je sais pas. Chez nous. Je pense. Voilà. On discute, hein, on discute, moi. Oh oui, il est chez nous. Le mec médisant qui disait qu'on pouvait pas gagner, hein. Miskin, tu meurs tout seul. Attends, je suis en train de boucher la bordure. Oh, non. Ah, tu veux le tuer bordure. J'ai gagné. Bien joué, ouais, bro. On a gagné en 8 minutes 3. Je pense que c'est un world record. En 8 minutes. D'ailleurs, Fares, je t'ai déjà parlé de VV France. J'ai déjà entendu parler de mes cartes Pokémon digitales.